Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'été et on va faire le deuxième labo d'épreuve, Los Jardines International Open. C'est parti, la récompense est un super tirage. On s'inscrit. Solo. Alors, c'est des voitures S2 cette fois-ci. Je vais prendre la Pagani Zonda R de 2010. Grid départ. Il y a d'autres concurrents. Donc on va se mettre en difficulté touriste histoire d'être sûr de gagner et c'est parti. Voyons voir ce que ça donne. Je parie pour un circuit GP. C'est bel et bien un circuit GP. Mais pour moi, il y a un peu trop de virages, trop sec. C'est beaucoup trop... Il y a trop de courbes, quoi. Regardez la carte. Ça devrait être plus épuré, il devrait y avoir plus de lignes épurées, moins de trucs comme ça, il devrait y en avoir que pas trop. Et si on est constamment en dérapage, quasiment... Vous voyez, c'est trop découpé, quoi. Il faudrait que ce soit plus... Je sais pas comment expliquer. Comme ici, ça va pas, quoi. Il faudrait que ce soit plus... Plus comme un circuit GP, en fait, voilà. C'est un faux circuit GP. C'est pas un bon circuit GP. C'est un circuit GP, mais ça, c'est pas un bon circuit GP. Voilà, ça va pas du tout, quoi. C'est pas fun, parce que... Il y a trop de virages, beaucoup trop serrés pour des voitures S2 998, quoi. À la fin, c'est plus marrant. Enfin, c'est mon avis personnel, hein. Maintenant chacun pense ce qu'il veut. Hein. Mais voilà, moi je trouve que ça va pas. Il faudrait enlever quelques nœuds qui ont été mis par-ci par-là et en faire des lignes épurées avec des belles courbes où on peut accélérer, bien prendre ses tournants. Puis on met quelques épingles, c'est très bien, mais il faut pas qu'il y en ait trop non plus, quoi. Trop d'épingles tue l'épingle. C'est comme avec tout. Franchement, on a eu des circuits GP bien meilleurs que celui-là. Ici, c'est un circuit GP qui a l'air d'un circuit GP, mais qui n'est pas un vrai circuit GP, pour moi en tout cas. Voilà, ça, une ou deux comme ça, c'est bien, près de l'arrivée par exemple. Comme à Sprague-Francorchamps ou des choses comme ça, c'est très bien, quoi. Mais alors là, ici, c'est beaucoup trop découpé. Il faudrait des lignes plus épurées. Là, ça va vraiment pas, c'est nawak, quoi. Pour un circuit GP, hein, je parle maintenant. Voilà, encore une fois, c'est que mon avis personnel. Hein. Là, tu vois, ça va pas, quoi. Je sais pas, il a fait des espèces de bosses de dromadaire. Je sais pas. Moi, ça me plaît pas. C'est pas à mon goût, on va dire. Et donc, j'y rejouerai pas. Je vous le dis, j'y rejouerai pas du tout. Ou bien faudrait un peu l'améliorer, par exemple à cet endroit-là, enlever la courbe qui va vers le bas sur la carte et faire une belle courbe lissée où on peut bien aller en vitesse. Voilà, bon ben c'est que mon avis personnel évidemment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'y rejouerai plus jamais, sauf si je suis encore obligé de le faire dans le labo d'épreuve. Maintenant, je ne renie pas le travail des gens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais juste c'est pas mon goût, voilà, c'est tout. Allez, on va recevoir notre super tirage, si je me souviens bien. Et voilà, c'est fait. Et voilà, on vient de finir le deuxième labo d'épreuve. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.